Mesdames et messieurs et membres de la communauté militaire, bienvenue à l'émission spéciale Opération Renommée, présentée par la Capitale, et voici votre animatrice, Marie-Josée Lonval! Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue à notre émission spéciale Opération Renommée. Et bravo pour la musique, quelle belle introduction. Wow, un immense merci aux Voltigeurs de Québec, vous êtes extraordinaires. Si vous me permettez une petite parenthèse, là. Les Voltigeurs de Québec, c'est le plus ancien régiment français de notre histoire qui existe depuis 1862. Elles sont là depuis tellement longtemps là, que la première fois que la population de la ville de Québec a entendu l'hymne national du Canada, là, le Haut-Canada, ben, c'était les Voltigeurs de Québec qui s'étaient rendus en ville et qui ont joué ça live pour la population de Québec. Puis si vous vous dites, mais oui, mais pourquoi ils n'ont pas fait jouer ça à la radio? Il me semble que ça aurait été plus simple. Vous avez en partie raison, mais dites-vous que ça s'est passé en 1880. Et on est encore à 25 ans avant de commencer à avoir des radios dans les chaumières du Québec. Puis Québec, c'était pas mal plus petit dans ce temps-là. La ville partait à partir des remparts et se rendait jusqu'à la côte Salaberry. La côte Salaberry, puis c'est là que vous allez voir que tout est dans tout. Devinez qui était le commandant des Voltigeurs de Québec lors de la fameuse bataille de Châteauguay. Eh bien, c'était Charles-Michel de Salaberry. J'adore cette histoire-là, mais vous allez découvrir plein de hauts faits et de brillants exploits, comme on dit, sur le site des Voltigeurs de Québec, voltigeursdequebec.com. Yeah. Vous êtes avec nous ce soir pour participer à l'opération Renommée. C'est l'événement incontournable du printemps. Attendez-vous ce soir à de l'émerveillement, à des émotions, à des surprises et à des invités de marque. Vous ne voudrez pas manquer ce qui s'en vient. Entre autres invités ce soir, on a l'humoriste Michel Barrette. Également le premier ministre du Québec 2014-2018, M. Philippe Couillard. Des dignitaires des Forces armées canadiennes et plein de surprises. Et parlant de surprise, je vais commencer tout de suite en vous donnant les informations. Vous allez voir qu'on a envie de vous gâter ce soir si vous êtes en train de regarder notre première diffusion live d'Opération Renommée. Il y a à gagner ce soir une paire d'écouteurs Beats d'une valeur de 250 $. Également des écouteurs AirPods Pro avec le boîtier chargeur d'une valeur de 260 $. Ajoutez à ça des haut-parleurs Sony Extra Bass d'une valeur de 220 $. Et finalement, 10 laissez-passer familiaux pour la Criée, qui est l'événement de la Fondation du Centre de la Famille. Et tous ces prix vont être attribués parmi les personnes qui vont émettre tout simplement un commentaire, idéalement un beau commentaire gentil, dans la publication que vous regardez en ce moment. Et le tirage va se faire dans les prochaines heures. Et inquiétez-vous pas, si vous êtes nos gagnants, on va s'occuper d'entrer en contact avec vous. C'est un concours réservé aux résidents du Québec, aux 18 ans et plus, et c'est un concours qui a été mis sur pied par le Centre de la famille Valcartier. Là-dessus, accueillez chaleureusement mon premier invité, c'est le directeur général du Centre de la famille Valcartier, M. Frédéric Moisan. Hey. Bonjour. Salut Fred. Bonjour, bonjour. Salut, bienvenue dans Opération Renommée. Hey, merci beaucoup, je suis vraiment content d'être là. Cette année, Frédéric, le Centre de la famille a 30 ans. Tu sais, c'est 30 ans d'activité, 30 ans d'émotion, 30 ans de défis. On peut dire qu'on en a fait du chemin depuis 1991, hein? Oui, quand même pas mal. Écoutez, en 91, on avait environ une dizaine d'employés. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, on est tout près de 70. Donc, c'est toute une croissance. Je pense que tu as amené des photos. C'est-tu quoi, je file pour aller fouiller dans l'album de souvenirs avec toi? Oui, certainement. On va plonger là-dedans. Regarde, c'est intéressant, la première photo... Là, on voit une école. Oui, ça, c'est l'école Sainte-Jeanne-d'Arc. Oui. Ça a été la première demeure du Centre de la famille. Et ça remonte à plusieurs années. Et pour les plus jeunes, bien, à ce moment-là, il n'y avait pas d'Internet. Ça existait, cette époque-là. Oui, époque-là. Exactement, oui. Aussi drôle que ça peut paraître. Et on utilisait la bonne vieille poste pour transmettre les informations là, dans les logements familiaux et ainsi qu'auprès de la communauté. Et l'école Sainte-Jeanne-d'Arc a été détruite là, au tournant des années 2000. Pour laisser place au centre communautaire qu'on connaît aujourd'hui, là, tout près de la base. La deuxième, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que ça nous ramène en 2004. Tout à fait. En 2004, écoutez, ça fait déjà 17 ans. Oui. Et puis, c'était l'époque où on vivait les premières missions en Afghanistan. C'était aussi la première fois que le premier ministre du Canada visitait le centre. Puis, c'est Paul Martin qui nous visitait à ce moment-là.
Et Paul Martin avait à cœur la communauté militaire, bien sûr, tout comme Stephen Harper, Philippe Couillard, ainsi que François Legault, qui a d'ailleurs visité le centre en 2019 lors du Jour du souvenir. Oui, je m'en souviens. Et puis, je peux peut-être vous donner un peu plus de détails, en fait. Le centre de la famille est un vecteur d'information, si on veut. Oui. Et on a toujours gardé de liens étroits avec le gouvernement, justement, pour faire une belle représentation et transmettre les besoins de la communauté militaire de l'Est du Québec. Là. Puis la troisième? Ah! Bien, ça, c'est Mme Audet. Oui! Écoutez, Mme Audet fait du bénévolat au centre depuis... Je pourrais vous dire depuis toujours, en fait. Parce que l'action communautaire, l'action bénévole, c'est un volet très important pour nos services, pour notre organisation. Et puis, je crois qu'il faut... D'où ça vient, finalement? Ça vient un peu de l'époque des arrière-gardes. Ça, c'était avant les centres de ressources. Et là, il y avait un support communautaire fait par les familles. Et ça a été transféré dans les centres pour que ça soit pris en charge par une organisation. Et c'est vraiment au cœur de nos actions. Et là, sur la photo, on voit Mme Audet qui reçoit la médaille du gouverneur général pour son implication bénévole. Ça, c'était en 2018. C'est vraiment émouvant de voir toutes ces photos-là. C'est quelque chose. Merci de les avoir amenées. C'est vraiment le fun, un beau retour dans le passé. Mais tu vois, ça me rend curieuse, tout ça. Je suis curieuse de savoir comment tu es arrivée à la direction générale du Centre de la famille. Bien, écoutez, premièrement, je vais vous dire que je suis trompettiste. Ah, oui. Et pendant mes études, donc ça, j'ai été réserviste. Okay. J'ai été réserviste pour le NCSM Montcalm, pour la réserve navale. Et par la suite, j'ai fait des études en administration pour devenir comptable professionnel. Donc, je me suis investi dans de nombreuses organisations communautaires pendant plus de 15 ans. Et c'est en 2016 que j'ai finalement connu le centre. C'était vraiment agréable de pouvoir être le directeur des finances et de l'administration. Et depuis 2019, j'ai eu la chance de pouvoir devenir directeur général. Donc, bien content de tout ça. Comment tu t'es senti la première fois que tu as découvert le centre de la famille? Bien, comme je vous disais, en tant que réserviste, c'est vraiment un sentiment de retour au bercail. Ouais. Redécouvrir les Forces armées canadiennes d'une manière différente. Et bien, l'équipe, les gens qui composent cette belle organisation-là, c'est une équipe mature, des gens dédiés, engagés. Donc, c'était vraiment plaisant. Puis, j'ai vite réalisé, comme vous disiez, il y a une croissance depuis 30 ans, que notre organisation avait vraiment une saine gouvernance et des bonnes pratiques. Là. Donc, c'est très intéressant. Frédéric, tantôt, tu parlais de l'équipe, tu sais, les 70 qu'on est rendus maintenant. J'aimerais ça que tu nous en dises un peu plus. Comment l'équipe du Centre de la famille... Écoute, des gens merveilleux, bien sûr. Et puis, c'est des parents, c'est des conjoints-conjointes, c'est des enfants de militaires. Oui. C'est des gens qui font partie de la communauté. Puis, ils sont là pour redonner à la communauté ce dont ils ont reçu, bien sûr. Et d'autres aussi sont là pour faire partie de la grande famille des Forces armées canadiennes, pour appuyer la force opérationnelle. Parce que, dans le fond, on est là pour les familles lorsque les militaires sont en mission ou en exercice. Et... Bien, c'est sûr que ces individus-là, ils ont à cœur le bien-être de la communauté, le bien-être de leurs collègues et tout ça. Donc, vraiment, là, c'est chaleureux et on est bien contents. Là. C'est des gens merveilleux. Puis la clientèle, les gens qui bénéficient des services du Centre de la famille, est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots? Oui, tout à fait. Bien, comme il faut savoir, il y a les réservistes, il y a les gens de la régulière, puis on a les vétérans. Donc, on prend en charge toute la communauté, on offre des services à tous ces militaires ainsi que leurs familles. Ainsi que les vétérans et leurs familles, bien sûr. On a une halte-garderie pour les enfants. On a ensuite de ça un spectre très large de services, c'est-à-dire de 0 à 99 ans, là, pour donner une idée. Et nos employés accompagnent les individus au travers de toutes les transitions de la vie militaire. Donc, on a un service d'aide à l'emploi. On a un service d'aide psychosociale, relation d'aide. On a ensuite de ça un grand secteur d'action communautaire et bénévole. Comme je vous disais, Mme Audet fait partie de cette grande famille-là. Oui. On a un secteur aussi d'intervention jeunesse. Donc, on a un genre de maison des jeunes aussi. Et on a l'absence mutation, en fait. L'absence mutation, c'est un secteur où là, on prend en charge, on aide les familles dans les transitions lorsque le militaire est absent, bien sûr. De là, l'absence. Et la mutation, les nombreux déménagements. Oui. Donc, il y a de nombreux déménagements. On peut déménager jusqu'à 7 fois dans une carrière de militaire et plus. Oui, il faut être fait fort. Hein? Exactement. Mm. On a aussi notre petit dernier, qui est le programme de pour les vétérans libérés pour raisons médicales et leur famille, bien sûr. Ah, c'est merveilleux. Merci de ce beau tour d'horizon. Puis, c'est pas tout, parce que ce soir, là,
on va débuter ensemble un nouveau chapitre. Frédéric, on change de nom, on change de look également, puis c'est ce soir que ça se passe. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est toute une page d'histoire qu'on ajoute, parce que l'opération Renommée a été mise sur pied pour renommer le centre de la famille. Et ce soir, on a un nouveau nom et un nouveau logo à vous présenter. Donc, est-ce qu'on va voir ça? Ben oui, on y va! Allons-y! Alors, le centre de la famille Valcartier s'appelle désormais le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Et voici notre nouveau logo. Oh! Hey, bravo! C'est extraordinaire. On entre dans une nouvelle ère. Longue vie au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Frédéric, tu restes avec nous parce qu'on a quelque chose de spécial aussi pour les 30 ans du CRFMV. On se reparle plus tard. Parfait. Et afin d'officialiser notre changement de nom, le brigadier général Gervais Carpentier, commandant de la 2e division du Canada, tenait à nous adresser ces quelques mots. On souligne aujourd'hui la nouvelle appellation du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le nom va changer, mais la pertinence et la qualité des services ne changeront pas, j'en suis certain. Le Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier, c'est un partenaire essentiel qui aide tous nos membres, leurs familles, à relever les défis uniques de la vie militaire. Une vie militaire qui nous appelle parfois à servir en opération à la maison, à l'étranger, mais qui nous demande également de participer souvent à des cours et des exercices à l'extérieur de notre garnison. Avec son équipe dynamique, son équipe innovatrice, je suis certain que le CRFM Valcartier va continuer à accompagner de façon exceptionnelle les familles en offrant une panoplie de services bien adaptés à nos besoins particuliers. Merci de votre appui. Merci à toute l'équipe qui contribue au bien-être de la communauté, de notre communauté militaire, puis par le fait même, participe là, à notre état de préparation qui nous permet de livrer l'excellence à la maison puis à l'extérieur. Bonne journée, honneur et persévérance. Remarqué qu'on sert beaucoup de la technologie pour joindre tout notre monde. Grâce à la virtualisation, toutes les personnes qu'on souhaitait avoir avec nous ce soir sont présentes. Un peu comme on l'a fait avec nos familles depuis les derniers mois, le virtuel a permis de garder contact, puis même, je dirais, de rapprocher notre monde. Dites-vous que ça s'est appliqué aussi au CRFMV. On avait déjà comme objectif de virtualiser nos services et penser à tout le territoire qu'on couvre, là, tout l'est du Québec jusqu'aux îles de la Madeleine. On peut dire quand même aussi que le virus a accéléré les choses un petit peu pour répondre à toutes les demandes, mais je pense qu'on y est arrivé. Ma prochaine invitée a vu son monde se virtualiser à grande vitesse dans les derniers mois et tous les jours, elle réussit à créer de vrais contacts avec la clientèle à l'aide de son ordi. Elle est travailleuse sociale et intervenante au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier dans le programme pour les familles de vétérans. Accueillez Audrey Gauthier. Audrey, bienvenue à Opération Renommée. Bonsoir, Marie-Josée. Merci d'être là. On t'a invité ce soir parce que c'est vrai que toi, ton travail s'est transformé au cours des derniers mois, mais on peut dire que c'est vrai pour tous les membres du CRFMV là, qui ont vu leur monde se virtualiser. J'en conclus que tu as dû perdre à la courte paille pour te retrouver avec nous ce soir parce que c'est toi qui es pris pour nous en parler. Audrey, j'aimerais savoir jusqu'à quel point ton travail s'est transformé au jour le jour. Tu l'as dit, notre territoire est très vaste, hein? Donc on a toujours eu recours aux moyens virtuels pour rejoindre une certaine partie de notre clientèle. On s'entend que cette proportion-là là, a beaucoup changé au cours de la dernière année, donc on a beaucoup plus de contacts virtuels que présentiels présentement. Remarque que l'essence du travail n'a pas tellement changé, hein? C'est de rester en contact avec nos familles pour les aider à surmonter les défis de la vie militaire tout au long de leur parcours. Oui. Est-ce que les rencontres de personne à personne, effectivement, ça existe toujours? Oui. Et est-ce qu'on peut dire que c'est
un peu contradictoire quand on pense à ton métier, là. C'est un métier beaucoup de proximité. Est-ce que c'est pas difficile de créer un lien quand il y a une machine entre toi et ta clientèle? T'sais, est-ce qu'on peut... parler de ce sujet-là de cette façon-là? Bien oui, bien tu sais, Marie-Josée comme moi, hein, que la proximité physique, c'est pas nécessairement un gage de réelle proximité, de réelle intimité. Donc, on peut vivre toute notre vie avec quelqu'un sans jamais vraiment développer de proximité. Donc, moi, j'ai pas besoin de voir quelqu'un de mes yeux pour être capable de l'aider. Ce dont j'ai besoin, c'est que cette personne-là se rencontre, me parle de ses forces, de ses défis, de ses ressources. C'est comme ça que je peux bien faire mon travail. Donc, de manière virtuelle, c'est tout à fait possible. Est-ce que tu sens que les gens deviennent à l'aise, qu'ils oublient, dans le fond, la distance? Oui, je pense que les gens arrivent à se sentir à l'aise, tout à fait. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a certains avantages hein, à la téléconsultation. Les gens peuvent s'asseoir dans leur fauteuil préféré avec leur animal de compagnie. Si ça leur tente, ils sont beaucoup plus à l'aise. C'est beaucoup plus facile de mettre une rencontre dans notre agenda quand on coupe le temps de déplacement. C'est vrai. Jamais qu'on va canceller une rencontre parce qu'il y a une tempête de neige, parce que l'école est fermée, parce qu'il y a un enfant de malade. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Puis, je vais même te dire que certaines personnes se sentent encore plus à l'aise en téléconsultation pour toutes sortes de raisons. Des fois, la petite distance là, peut être bénéfique. Je te donne un exemple de quelqu'un qui serait extrêmement mal à l'aise de pleurer devant quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, se retiendrait tout le long de nos rencontres par peur là, de devenir émotif. Donc, le fait d'être chez soi avec une espèce de distance, ça enlève un petit peu là, cette gêne-là. Ça permet aux gens de davantage se confier là, sans avoir peur de sortir du bureau avec les yeux rouges puis de « bon, tout le monde va me regarder ». Tu sais, Audrey, je ne veux pas faire de l'âgisme, là, mais je pense que la question est importante. L'aisance que tu as sentie avec le virtuel, est-ce que tu peux dire que tu l'as sentie dans tous les groupes d'âge? Oui, effectivement, je l'ai sentie dans tous les groupes d'âge. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à penser hein, que pour les jeunes, c'est plus naturel là, d'avoir des services en virtuel. Mais il ne faut pas oublier non plus que dans notre gamme de services virtuels, il y a aussi le téléphone. Donc, pas besoin d'être un as en informatique, pas besoin même de posséder un ordinateur pour avoir accès à nos services en virtuel, simplement qu'à prendre le téléphone. Bien, félicitations. Je pense qu'on a vraiment fait des pas de géant dans les derniers mois, puis tu participes de belle façon à cette réussite-là. Audrey Gauthier, merci beaucoup d'avoir participé à Opération Renommée. Merci beaucoup. On se sert à nouveau de la technologie pour se transporter instantanément vers la cuisine de la présidente du conseil d'administration du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. On s'en va chez adjudant Julie Grandmaison. Bonsoir, Julie, mais merci de nous accueillir. On est dans ta cuisine. Oui, bienvenue chez nous. C'est donc bien beau. C'est le fun, hein? Et qu'est-ce qu'on fait ce soir? Bien, je vous prépare un gâteau. Pas n'importe quel gâteau, ça se peut-tu? T'as raison! Un gâteau pour le 30e anniversaire du CRFMV. Écoute, si on peut en profiter pour jaser en même temps, là, ça va être mes deux sports préférés, papoter et popoter. Fait que moi, j'embarque là-dedans. Ben mon Dieu, on y va? Yes. Tu me diras quoi faire, par exemple, parce que moi, je connais pas ça autant que toi, là. OK. Beau tablier, Merci. Très chic. C'est très gentil. Écoute, Julie, c'est correct si je commence à brasser ça? Ben oui, tu peux y aller parce que l'autre tasse de farine est déjà prête. OK. Puis pendant que tu fais ça, moi, je vais préparer le sucre. OK, t'es fine. Vas-y, tu juste les ingrédients secs ensemble. Parfait. Dis-moi donc, Julie, toi, ça fait combien de temps que tu es bénévole? Ça fait 2 ans et demi que je suis bénévole au centre. Oui. Donc bénévole, puis que je me suis impliquée avec le conseil d'administration. Ah, merci, Tiffine. Le sucre. Excellent. Ben, écoute, ça va être bon. T'en veux-tu plus? Ben, tu sais, moi, le sucre, rajoute Non, c'est vrai, on en a besoin. Il faut vraiment suivre les recettes. C'est une tasse et demie, et voilà. Yeah! Donc, ben oui, c'est ça, je suis bénévole depuis 2 ans et demi. Je me suis impliquée au centre de la famille, de un, parce que je suis militaire, de deux, parce que maintenant, je suis nouvellement conjointe de quelqu'un qui est retraité. Donc, c'est ça. Fait que je me suis impliquée au centre de la famille. Je trouve que c'est super important. C'est super important d'être là, d'être présente puis de donner du temps. Il faut vraiment donner du temps. Mais toi, tu sais, toi, tu as un point de vue privilégié. Donc, tu sais à quel point les bénévoles, au fil des années, ont transformé le CRFMV. Tu sais, peux-tu nous dire à quel point le CRFMV est-ce qu'il est aujourd'hui grâce aux bénévoles? Ben, s'il y avait pas eu, ben oui, mais s'il n'y avait pas eu de bénévoles, on ne serait pas où on est aujourd'hui. Là, c'est sûr et certain. Merci. On avait oublié le... Ouais, c'est ça. De toute façon, je mélange bien ça, tu vas voir. Oui, c'est parfait. C'est les ingrédients secs ensemble en premier, puis après, on va aller avec les autres ingrédients. Excellent. Donc, on a besoin des bénévoles pour s'impliquer, des gens qui sont prêts à aller parler à d'autres gens, des gens qui sont disponibles puis qui sont prêts à donner de leur temps.
Tu sais, ce qui est fun avec le bénévolat au centre, je trouve que ça amène aussi une dimension sociale. Tu sais, ça fait du bien donner du temps au centre, particulièrement, par exemple, quand on arrive dans une nouvelle ville, quand on vient d'avoir une mutation. Tu arrives, tu t'impliques dans ton centre de la famille, puis il y a comme une espèce d'implication sociale qui se passe automatiquement. Bien, totalement. Puis, tu sais, ça le dit, c'est le centre des familles militaires. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est de l'huile? Ben oui, c'est correct. Je regardais. Oui, bien sûr. Je vérifie les œufs. Ah, les œufs. Les œufs, ça prend les œufs. C'est moi qui vais les mettre ici. Puis après, on va faire. J'aime notre partage de tâches. Oui, ben oui, bien évidemment. Oh! Eh bien. Excellent. Un œuf blanc, un œuf brun. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Fait que c'est ça. Fait que on était à parler des bénévoles puis du bénévolat. Oui. Puis de l'implication. Tu sais, quand on arrive, ben c'est super important quand on arrive dans une nouvelle province ou même dans la même province, mais dans un nouveau posting, ben d'aller au centre de la famille. Ils ont toutes les ressources qu'on a besoin. Toutes les choses que quelqu'un cherche, que ce soit pour l'aide à l'emploi, que ce soit la difficulté d'adaptation dans un nouvel environnement ou quoi que ce soit, il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Puis souvent, il y aura toujours un bénévole pour prendre un café avec nous autres quand on aura besoin. T'sais, on parle de bénévolat, mais dans le fond, c'est peut-être pas concret pour tout le monde. Quand on dit « OK, moi, je fais du bénévolat, je m'implique dans mon centre de la famille », mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? T'sais, qu'est-ce qu'on leur demande de faire? Ben, un peu de tout. Un peu... Qu'est-ce que les bénévoles font en tant que tel? C'est, je dirais, un complément. Oh, ça ne veut pas ouvrir. On a-tu quelque chose pour le passer? Oh, et voilà. Une professionnelle à l'œuvre. Regardez. Ben, c'est un complément au service. Là, je vais t'aider, non, mais c'est correct. Hein? J'y vais avec. J'ai appris ma recette par cœur. Parfait. Tout qu'un gâteau. On va en mettre plus de vanille. J'adore la vanille. Fait que c'est ça. Dans le fond, ils sont là pour aider, puis ils sont là pour accompagner les gens, les intervenants. Il y a des choses à faire, il y a des activités à faire. Tu voudrais-tu qu'on échange un petit Absolument. Peu? Absolument. Merci. Garde-moi ça. Tu peux brasser celui-là, si Avec tu veux. Avec plaisir. Puis après, on va pouvoir mélanger les deux ensemble. Fait que c'est ça, tu sais, les activités qu'il y a à faire, les cafés-rencontres, les cours de langue, ou si vous voulez discuter en anglais ou en français, bon, on est là pour aider tout le monde. Ça prend des gens autour, puis ça prend des gens pour s'impliquer. Julie, t'as-tu envie de profiter de la tribune pour lancer un appel? Manquez-vous de bénévoles en ce moment? T'aimerais-tu ça dire... Ben oui, mais au centre de la famille, ben c'est ça. Tu sais, on manque toujours de bénévoles. Mm-hmm. On n'en a jamais assez. C'est correct. On accepte tout le monde. Oui, écoute, moi, je suis civile. Ah, ben oui. Est-ce que je peux m'impliquer? Ben totalement. OK. Ben oui. Même si tu n'es pas conjoint de militaire, même si tu n'es pas conjoint de vétéran, un bénévole, c'est un bénévole. Tu veux donner du temps, ben tu es prêt. On accepte n'importe qui pour donner du temps. Même au conseil d'administration. Parce qu'on a besoin de civils aussi. Et travailler à tes côtés. À mes côtés, et voilà. Apprendre à faire du gâteau. Ou aussi du bœuf aux légumes. Je fais souvent du bœuf aux légumes. Ça, ça viendra après. Oui. Ben, merci beaucoup, Julie. Puis tu vois, là, c'est la magie de la télévision qui va opérer aujourd'hui, OK? Fait qu'on finit de mélanger tout ça, puis pouf! Presque en un claquement de doigts, on va découvrir le fruit de ton travail. Parfait! On va se transporter dans quelques secondes dans nos studios. Bien, merci! Merci, Julie. Merci. C'est de la magie! On est de retour en studio avec ceci. Yeah! Magie, hein? La magie de la télévision. Ben oui. Beau travail, Julie. Ben merci. Ben, je vais juste reprendre le gâteau puis je vais aller le couper pour les bénévoles. Merci. 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 Bye. Hey, on peut dire que autant les bénévoles, ils sont pour beaucoup dans la vie du CRFMV, autant la fondation du Centre de la famille est un allié essentiel. On accueille à nouveau Frédéric Moisan, directeur du CRFMV et membre du comité d'organisation de la CRIE de la Fondation du Centre de la Famille. Frédéric, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci de bien vouloir nous parler de la Fondation. C'est important, j'aimerais que tu nous racontes l'implication de la Fondation dans le rayonnement du Centre de la Famille. Oui, la Fondation et le Centre évoluent côte à côte, et ça depuis de nombreuses années, bien sûr. Et je vais vous rappeler, il faut se dire que le Centre de la famille, qui n'est plus le Centre de la famille, mais bien le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Et oui. Et ça va être toute une adaptation pour nous de s'habituer à l'appeler de la bonne manière. CRFMV, de version plus courte. Tout ça pour dire qu'on est un centre, un organisme à but non lucratif qui dépend de subventions. Et c'est pour ça que la Fondation a été créée il y a déjà plus de 15 ans. Et c'est comme ça qu'on a réussi à évoluer, à grandir. Comme je vous disais, on a une croissance incroyable. Et grâce à la Fondation, on a
ajouter des services et on a pu devenir une référence, là, en fait, de ressources, de services et d'activités pour la communauté de l'Est du Québec. La communauté militaire, bien sûr. Les destins de la Fondation et du CRFMV sont vraiment très liés. Donc, c'est normal que si le Centre de la famille devient le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, j'en conclue que la Fondation du Centre de la famille s'en va un peu dans la même direction. Un ne va pas sans l'autre. Comme beaucoup de personnes extraordinaires s'impliquent auprès de la Fondation, je vais laisser le soin au lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable J.-Michel Doyon, patron d'honneur de la Fondation, de nous faire une annonce importante. Membres des Forces armées, partenaires et amis, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse aujourd'hui à vous, à titre de patron d'honneur de la Fondation du Centre des ressources pour les familles militaires Valcartier. Le Centre de la famille porte maintenant ce nouveau nom, qui reflète encore mieux sa mission et le rôle qui est sien, mettre à la disposition des militaires et de leurs familles des ressources pour leur mieux-être et leur mieux-vivre. Une chose restera cependant inchangée. Dans son domaine, le Centre demeurera un leader au pays pour le soutien et l'accompagnement de nos militaires. Je suis donc très fier dans les circonstances d'apporter ma contribution à la Fondation du Centre des ressources pour les familles militaires Valcartier, qui, depuis 2005, apporte un appui essentiel au Centre. Je me suis associé à la Fondation au moment où celle-ci est justement engagée dans la préparation de la 10e édition de la CRIE, grand événement qui lui permet la collecte de fonds et événement qui se tiendra à l'automne 2021. J'ai accepté également de faire partie du comité d'honneur et d'influence de cet événement en compagnie du brigadier général Gervais Carpentier, commandant de la 2e division du Canada, et de M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec de 2014 à 2018, ainsi que de plusieurs personnalités militaires et civiles de la grande région de Québec et de Lévis. Encore aujourd'hui, les membres des Forces armées canadiennes apportent leur concours aux autorités civiles, comme ils le font toujours, avec beaucoup d'efficacité et de fierté en cas de catastrophe et de désastre. Je veux ici souligner le leadership des familles de nos militaires. Nous leur devons beaucoup et je veux que cela se sache également. Félicitations au Centre et à la Fondation pour leur nouvelle identité. Bravo et merci à toutes et à tous pour leur engagement et dans la poursuite de la mission respective de ces deux institutions. Je vous remercie de votre attention et je nous souhaite une excellente CRIE 2021. Merci. Merci infiniment, M. Doyon. Merci pour votre implication à l'émission Opération Renommée. On a aussi la chance d'avoir avec nous ce soir, en exclusivité et en virtuel, le premier ministre du Québec de 2014 à 2018, M. Philippe Couillard, qui est aussi impliqué auprès de la CRIE à titre d'ambassadeur émérite famille. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, madame. Si vous êtes avec nous ce soir, Monsieur Couillard, c'est pas un hasard. Vous avez des liens avec la communauté, puis même, je dirais, des liens familiaux. C'est des liens dans les deux directions de mon arbre généalogique. Moi, je suis à moitié français et à moitié canadien. Alors, bien sûr, dans l'histoire du côté français de ma famille, il y a des événements dont plusieurs sont tragiques, là, reliés à la Deuxième Guerre mondiale, qui ont marqué et qui marquent encore l'histoire de la famille. Mais également, parmi mes enfants, je suis très heureux qu'un de mes enfants qui a choisi la carrière d'ingénieur a choisi de le faire dans les forces canadiennes. Il est actuellement en service actif dans les forces canadiennes, a été déployé à l'étranger, de même que son épouse, qui est elle aussi infirmière, officier infirmière pour les forces canadiennes, a également été déployée. Ils ont deux enfants tout à fait charmants. Alors, quand je les vois, ben, je les remercie toujours, pas toujours de façon explicite, mais en pensée certainement, pour le service qu'eux et les autres militaires donnent à notre pays. Vous êtes sûrement très occupé avec un horaire très chargé, mais vous trouvez quand même le temps, M. Couillard, de vous impliquer auprès de la Fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Je suis curieuse de savoir comment ça a commencé, tout ça. Bien, d'abord, l'attachement que je viens de vous décrire,
fait en sorte qu'il n'a pas été très difficile de me convaincre de donner un peu de mon temps pour la question des militaires et de leur famille. Également comme premier ministre, mais avant même comme ministre de la Santé, j'avais eu des contacts avec le centre de la famille à Valcartier, où on m'avait exposé les difficultés que rencontraient de façon quotidienne et fréquente les militaires à accéder à certains services publics au Québec. Par exemple, les services de garde ou les services de santé et d'autres parties de notre service public. Et ça m'avait quand même marqué. Et je m'étais toujours dit qu'il fallait travailler à améliorer ces choses-là. On connaît la réalité des familles militaires, les déploiements à l'étranger fréquents, les changements d'affectation. Ça entraîne l'instabilité pour les familles, de la pression, du stress également. Alors, d'avoir une organisation comme le Centre de la famille, qui maintenant a changé son nom, se dévouer précisément à répondre à ces besoins-là, bien, ça me touche et puis je veux faire ma part tout simplement. La Fondation va tenir son événement de cueillette de fonds qu'on appelle La Criée. Ça va se passer l'automne prochain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien, écoutez, d'abord, COVID oblige, ce sera un événement qui fort probablement sera encore en mode virtuel, mais qui est très bien organisé, où les gens auront vraiment l'occasion, l'impression d'être ensemble et de faire une activité commune. C'est pas facile, mais la technologie s'est améliorée sans cesse depuis qu'on a commencé à vivre de cette façon. Et je pense que ça devrait être une très, très belle expérience. Puis pour les personnes et les organisations, les entreprises qui acceptent généreusement de participer au financement, ça leur donne une vitrine également, notamment dans la région de Québec. Il est bon de savoir que les entreprises de chez nous s'engagent dans des causes semblables et je suis très heureux de les voir là. C'est le fun parce que le 16 octobre prochain, là, grâce au virtuel, on va non seulement pouvoir rejoindre un public partout au Québec, mais en plus, on n'aura pas besoin de se déplacer. Je pense qu'on va prendre ça vraiment relax le 16 octobre prochain, M. Couillard. Vous n'avez pas besoin de monter dans votre auto. Vous pouvez rester avec votre conjoint, conjointe, un verre de vin puis participer à l'événement. Et ça promet d'être très intéressant. Je pense qu'il y a des surprises, d'ailleurs, qui sont gardées en réserve pour l'événement. Tout à fait, vous avez raison. Et on va en dévoiler, d'ailleurs, davantage très bientôt. En terminant, M. Couillard, est-ce que vous avez un message bien personnel à adresser aux membres des Forces armées canadiennes et à leurs familles aussi? Bien, le message principal que je veux envoyer, c'est un grand mot qui est simple, c'est le mot « merci ». Hein? Merci de servir le pays à notre demande. Je dis toujours ça aux gens qui participent à des discussions des fois sur les forces armées, le rôle qu'elles jouent, les conflits internationaux, etc. Et la présence de nos militaires, par exemple, en Afghanistan ou dans d'autres zones de conflit plus récentes, au Moyen-Orient. Et je leur dis, n'oubliez pas quelque chose. Ces gens-là sont là à notre demande, en notre nom. Que vous soyez ou pas en accord avec les politiques du gouvernement du Canada sur les engagements internationaux des forces canadiennes, et secondaire, il faut manifester la reconnaissance qu'on doit à ces personnes-là, reconnaître l'impact que ça a sur eux, sur elles et sur leur famille, et faire en sorte que notre société les accueille bien à tous les stades de leur carrière et même après leur carrière militaire. Et c'est le souhait que je formule. Et tout ça, c'est autour du mot « merci » que je veux répéter encore une fois. M. Couillard, merci infiniment pour votre implication et on se revoit à La Criée l'automne prochain. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Merci. À la prochaine, tout le monde. Merci infiniment, M. Couillard. C'est extraordinaire, Frédéric, d'être si bien entouré. Hein? Oui, grandement. C'est toujours impressionnant de voir qu'on est entouré de personnes que je dirais aussi prestigieuses, du moins. Et je crois que ça démontre l'importance que nos organisations ont là, dans la communauté militaire. Et je veux personnellement remercier là, l'honorable Jean-Michel Doignon, lieutenant-gouverneur du Québec, ainsi que Philippe Couillard, premier ministre du Québec de 2014 à 2018, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et je veux aussi remercier tous les gens qui s'impliquent de près ou de loin là, auprès de la Fondation ou du Centre, ou les deux encore, parce que c'est grâce à vous et votre dévouement et si on a autant de succès. Et merci beaucoup. Moi aussi, j'ai des remerciements à faire. Premièrement, Frédéric, là, je veux te remercier d'avoir accepté l'invitation puis d'avoir participé aussi activement à notre émission spéciale Opération Renommée. Et je veux te remercier aussi pour ton implication, autant au Centre que du côté de la Fondation. Merci pour ton implication. Je pense que les deux ne seraient pas les mêmes sans toi. Alors, un immense merci à toi. Oui. C'est avec quand même beaucoup d'humilité que je reçois ça, parce que, vous savez, ça fait 30 ans que l'organisation existe. On est parti de 10 employés vers 70. On a
de nombreux bénévoles. Les gens s'impliquent année après année. Et puis, c'est vraiment grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, qu'on peut faire des choses aussi merveilleuses qu'on est en train de faire. Et je veux remercier, en fait, tous les directeurs, tous les coordonnateurs ou les employés qui se sont investis là, pendant ces 30 années-là pour faire en sorte là, qu'on grandisse aussi bien. Et moi, en 2019, j'ai reçu une organisation en santé et puis tournée vers l'avenir avec une équipe compétente. Donc, vraiment, c'est moi qui ai chanceux dans tout ça. Donc, je veux vous remercier tous et toutes. T'es fin. Merci beaucoup, Frédéric. Et on va s'arrêter, nous, quelques secondes. Ensuite, on se transporte sur la base militaire Valcartier avec un message officiel du colonel Marie-Christine Hervé, qui commande le 5e groupe brigade mécanisée du Canada. Un événement festif et interactif qui fera sa marque. Place à la 10e criée de la Fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier le 16 octobre prochain. Une criée novatrice et créative qui vous fera vivre une expérience dans le confort de votre foyer. Vous ne voudrez pas manquer notre populaire encamp, présenté de façon virtuelle. Une belle occasion de saluer le leadership des familles de nos militaires. La 10e criée de la Fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, le 16 octobre. Mettez la date à votre agenda. Plus de détails via les pages LinkedIn et Facebook de la Fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Le 5e groupe Brigade mécanisée du Canada se déploie sur un nombre important de missions. Encore cette année, c'est près de 2000 militaires qui quitteront leur famille pour un déploiement outre-mer. Depuis des décennies, le partenaire principal et l'allié de taille a été le centre de la famille lors de ces périodes de déploiement. Aujourd'hui, le sergent-major de brigade et moi sommes rassemblés pour souligner la nouvelle appellation de ce partenaire qui sera maintenant connu sous le nom de Centre des ressources pour familles militaires de Valcartier. La préparation pour un déploiement, pour une absence prolongée, ou encore pour la vie journalière d'un militaire, requiert de l'adaptation pour nos membres, mais cette adaptation est tout aussi importante pour leur famille. Le Centre des ressources pour familles militaires de Valcartier assure ce soutien. Pour tous nos militaires qui seront déployés en mission à l'étranger d'ici quelques semaines ou quelques mois, je vous encourage à parler à propos du Centre de ressources pour familles militaires de Valcartier avec vos familles. Un éventail de services et de ressources leur sont offerts. La préparation opérationnelle comprend la préparation de vos familles et le Centre est là, entre autres, pour vous aider avec cela. En terminant, j'aimerais remercier le Centre de ressources pour familles militaires de Valcartier pour l'apport quotidien et l'aide qu'il donne à nos membres et à leurs familles. Allons-y. Un grand merci, colonel Hervé. En passant, vous avez vu quelques messages sur la fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Allez voir ça. Ils ont un tout nouveau site Internet, fondationcrfmv.com. Et d'ailleurs, il vous reste quelques minutes pour aller vous inscrire et participer à notre concours. Si vous regardez la première diffusion live de Opération Renommée, il y a de nombreux prix à gagner et on fait les tirages ce soir. Donc, allez émettre un commentaire simplement sur la diffusion et ça vous rend automatiquement éligible. Il me semble que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas écouté de musique. Ce serait le fun de bouger un peu. On a pensé à la recette parfaite. On a fait appel à la seule musique militaire régulière francophone au Canada. C'est une unité tellement prestigieuse. Elle attire les foules dès qu'on a la chance de les entendre. Mesdames, messieurs, à Opération Renommée ce soir, le Royal 22e Régiment qui nous propose un medley.
Merci à la musique du Royal 22e Régiment. Et justement, le colonel Jason Langelier, commandant du groupe de soutien de la 2e division du Canada, a quelques mots pour nous. Aujourd'hui, nous soulignons un changement qui semble bien simple, mais pourtant d'une grande portée. Nous sommes fiers que vous vous ralliez au réseau national. Ceci offre une uniformisation qui contribuera certainement au sentiment de stabilité pour notre personnel et leur famille. Ce sentiment de stabilité prend toute son importance alors que ces familles doivent affronter les incertitudes découlant d'une mutation ou des absences prolongées. Le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier et la Fondation du Centre de ressources pour familles militaires Valcartier ont peut-être changé de nom pour ceux-ci, mais leur mission demeure le bien-être des familles militaires. La vaste gamme des services offerts, virtuellement ou sur place, sont des plus appréciés surtout durant cette pandémie. En mon nom personnel, au nom de l'adjudant-chef Isabelle et au nom de tout le personnel de la base de soutien de la 2e division du Canada Valcartier, je vous remercie pour votre efficacité immensurable dans le soutien essentiel que vous apportez aux militaires et à leurs familles, et ce, au quotidien. Merci. De notre émission, l'opération renommée, je vous l'ai dit, on va vivre ensemble une soirée d'émerveillement, d'émotion, de surprise avec des invités de marque. Mon prochain invité, et tout ça à la fois, c'est le genre de gars que tout le monde trouve sympathique. Un gars en plus qui a un parcours militaire. On est tellement content de l'avoir avec nous ce soir. Accueillez chaleureusement Michel Barrette. Et ta barouette! Quelle présentation! Je suis tellement content. Alors là, je viens juste d'apprendre il y a quelques secondes que moi, je me suis dit, ben s'ils me reçoivent, ancien militaire, vous avez quoi, 2 heures? 3 heures? Mais sinon, Michel, ce serait 8 minutes, parce que la soirée va être un peu... Quoi? 8 minutes? Écoute, 8 minutes pour parler de la fierté que j'ai d'être un ancien militaire. Mon père est un ancien militaire. Je suis un ancien militaire. Mon fils est un ancien militaire. Écoute, les Forces armées. Je suis tellement fier de ça. Vous savez quoi? Je suis très fier de mon travail, très fier de ma carrière, mais je pense que je suis encore plus fier de pouvoir dire souvent, et le plus souvent possible, je suis un ancien militaire. Et quand je pense à Valcartier, c'est drôle parce que, bon, je suis rentré dans l'armée il y a 44 ans. Oh, oui, faites le calcul, j'avais donc 20 ans. J'ai fait donc l'école des recrues à Saint-Jean. Ensuite, j'ai été envoyé au quartier général des Forces armées à Ottawa, un DHQ. Ensuite, je suis allé à Borden. Et quand je suis sorti de Borden, je me souviens, on était 90 gars. On nous a dit, hey, la gang, ben, gars et filles, excusez-moi, choisissez une place au Québec parce que votre premier posting va être au Québec. Fait, wow! En plus, j'aime ça être dans l'armée, puis en plus, on me poste au Québec.
On avait trois choix. Moi, j'avais choisi, tenez-vous bien, Valcartier d'abord, bien sûr, proximité de Québec, Valcartier, la base, c'est le 22, écoute. Ensuite, j'avais choisi le Mont-Pica, c'est près de chez nous, dans le parc des Laurentides, tu sais, chasse un peu de Mont-Pica. Et bien sûr, Bagotville, près de Chicoutimi, ma ville de naissance. Et finalement, je me suis retrouvé à Gagetown. Non, non, j'ai rien contre Gagetown. Mais je veux dire, si j'avais le choix entre Valcartier et Gagetown, j'aurais pris Valcartier. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai quand même poursuivi. J'étais très content. Et pour moi, c'est vraiment des souvenirs formidables. Lorsque j'ai entendu parler du centre de ressources des familles de militaires de Valcartier, j'ai dit ça, c'est important. Parce qu'il y a 44 ans, là, mettons, là, moi, j'ai vécu dans des PMQ, tu sais. Et mettons le militaire ou la militaire partant en mission, là, à l'époque, tu sais, à Chypre, ben, quand il revenait, ou le temps qu'il était parti, ben, il fallait s'occuper des familles. À l'époque, c'était un peu comme ça. Il y avait plus ou moins d'appui. Fait que les gens se sentaient un peu laissés à eux-mêmes. Puis même le militaire ou la militaire qui revenait se sentait, elle aussi, un peu laissée à eux-mêmes. Puis surtout que moi, comme j'étais posté à Gagetown et que je n'allais pas à l'étranger, bien, quand ces gens-là étaient partis, ça veut dire qu'ils étaient pognés avec moi. Quand t'es dans une série de PMQ, puis t'es un fou, une Camaro 69 qui fait des burn-out puis des donuts dans un parking, puis qui est tout le temps en train de se faire courir par les polices militaires, c'est pas le genre d'environnement avec lequel t'as le goût de passer les prochains mois, tu sais. Alors, il aurait dû avoir ça déjà dans le temps. Hé, hey, tabarouette. Là, les gens vont me dire, t'as pas été militaire. Hé, hey, ça paraît pas. D'abord, j'ai eu des cheveux. Moi, j'étais un ancien cheveux frisé. Après ça, ben, rappelez-vous, hey, juste pour l'anecdote, quand j'étais, ceux qui étaient à l'époque, moi, on était à Saint-Jean, à l'école des recrues, dans les anciennes baraques. Après ça, il y a la méga-structure. C'est des jeunes qui nous regardent, les jeunes militaires vont. Là, comment? Avant? Oh oui, avant. Vous êtes chanceux, vous autres. La méga à Saint-Jean, oui, donc, on fait tout à l'intérieur. Nous autres, là, c'était des anciennes baraques. Là. Mon père avait été dans ces baraques-là. Là. On faisait tout dehors. La douche était dehors. Tout était dehors. Puis c'était dur. Bien plus dur qu'aujourd'hui. Ah, écoute. Les carabines pesaient 75 livres chaque, plus le gun, un autre 30 livres. Rajoute la mitraillette dans le dos. On traînait juste en armes 250 livres à peu près d'armes sur l'entraînement. Fait que quand on faisait la course à pied le soir, tu traînes 250 livres, ça fait des gars solides. C'est plus solide que les militaires d'aujourd'hui. Je veux pas dire que les militaires d'aujourd'hui, hommes ou femmes, sont pas solides, mais je veux dire, il y a quand même une génération... La mienne, qui était plus militaire, tu sais. Je me souviens, je rentrais avec un chouleur comme ça, là. Puis quand on nous a envoyé chez le coiffeur, je me souviens que moi, comme j'avais la tête bien frisée, à midi moins 5, ils m'ont dit, eh bien, prends de barrette, 875, ah ouais, chez le coiffeur. Puis à midi moins 1, il m'avait déjà rasé la moitié de la tête. Puis il a dit, bon, ben, OK, heure de lunch. Fait qu'il a quitté. Fait qu'imaginez, les militaires, t'es à Saint-Jean, à l'école des recrues. T'es dans la grande salle, puis t'es rasé la moitié. Fait que t'es la moitié civile, la moitié militaire. J'ai eu le choix à ce moment-là. J'aurais pu embarquer dans mon char pour sacrer mon camp. Mais je me voyais mal revenir à Chicoutimi. Bien, l'armée, ta tête, c'est normal? Es-tu comme un espion, là? T'es déguisé à moitié en hippie, à moitié en soldat? Fait que finalement, j'ai décidé de me faire raser l'autre côté de tête. Puis j'ai tellement aimé ça. Que, là, vous pensez sûrement qu'à 64 ans, que j'ai plus de cheveux, parce que je suis vieux. Non, non, non. C'est par choix. Parce que si je les laissais pousser, ils seraient encore frisés, bruns. Mais c'est mon souvenir à moi. À toutes les fois que je me vois dans le miroir, je me souviens de moi comme soldat. Je me souviens. À toutes les fois que je roule sur la route et que je roule un peu vite puis que je vois les lumières qui s'allument derrière, ben je me dis peut-être que ça va être encore une fois les MP qui vont venir me dire que de ralentir. Hey, pour l'anecdote, OK? Quand j'étais à Gagetown, j'avais perdu mon permis de conduire au Québec avant de partir de Saint-Jean. Ensuite, quand j'étais à Barrie, j'ai eu un permis de conduire de l'Ontario. Je l'ai perdu. je l'ai perdu. Et après ça, on m'a posté à Gagetown, au Nouveau-Brunswick. Puis à Gagetown, j'ai demandé un autre permis de conduire qu'on m'a donné, parce que dans ce temps-là, les provinces ne se parlaient pas. Et le 6 mois que j'étais à Gagetown, comme quand je suis arrivé à Gagetown, j'ai demandé à être envoyé n'importe où ailleurs. Cold Lake, Petawawa, n'importe où ailleurs que Gagetown. Et comme je savais que je n'allais pas passer ma vie à Gagetown,
Bien, tous les jours, j'embarquais ma gang dans ma Camaro 69, je disais, on va chercher une coupe d'étiquette. Alors, tous les jours, c'est la GRC là-bas. Je roulais entre Gatestone et Fredericton, 100 000 à l'heure, 120 000 à l'heure, puis je ramassais un, deux étiquettes. Je me souviens d'une fois, la police m'arrête, la gendarmerie royale, ramasse une étiquette, « Thank you, sir. » Sans bibes loin, il me recolle. Ah, je m'excuse, j'ai échappé ma clutch. Un autre ticket. Ah! Après trois, quatre fois, il m'a dit, en anglais, mais ils vont vous le traduire, il m'a dit, si tu m'as refait ça une fois, je saisis le char, les menottes, tu rentres dedans. Alors, j'ai fait ça pendant 6 mois. Calculer, mettons, un ticket de vitesse par jour, ou deux, et parfois trois pendant 6 mois, que j'ai jamais payé. J'ai perdu mon permis à vie au Nouveau-Brunswick. Là, je peux en parler parce que ça fait tellement longtemps qu'il doit y avoir une prescription qui fait qu'il ne pourrait pas me ramasser. Mais encore aujourd'hui, parfois, on me propose d'aller faire des shows au Nouveau-Brunswick. Puis je fais non. Non, à la place, je vais rester au Québec. Parce que c'est important pour moi d'être au Québec, ne serait-ce que pour ceci. Je fais bien des jokes, je vous raconte des affaires, mais le centre de ressources pour les familles des militaires de Valcartier, là, je trouve ça vraiment formidable. Pour les familles, le temps que là où la militaire s'en va à l'étranger... Pour les familles, pour toutes sortes de ressources. On m'a expliqué les psychologues, on m'a même expliqué que des gens qui reviendraient d'une mission, qui reviendraient de l'étranger et qui auraient trouvé ça dur, qui auraient besoin de soutien, il y a des gens pour ça. Il y a des gens pour la famille, pour les ados, pour le militaire lui-même. Alors, moi, là, sérieusement, en mon nom, au nom de mon père, de mon fils et de moi, 3 générations de militaires, je vous dis merci d'exister. Puis, vous savez quoi, j'aurais toujours le regret, moi, de ne pas avoir pu être posté à Valcartier. Mais si jamais vous avez besoin d'un humoriste qui vient vous conter des histoires, ou visiter, ou vous apporter un soutien quelconque, comptez sur moi. Eh, hey, puis c'est beau le nom, hein? Centre de ressources pour les familles de militaires de Valcartier. C'est clair, c'est précis, puis j'aime ça. Yes. Yes, un immense merci, Michel Barrette, avec nous ce soir à Opération Renommée. Et merci à vous tous. Merci pour votre présence. Longue vie au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Les façons de nous joindre apparaissent en ce moment au bas de l'écran et n'hésitez jamais à prendre contact avec nous. Pour terminer en beauté, elles ont un véritable cœur de femme. On va se laisser en compagnie de la chorale des épouses militaires canadiennes Valcartier. Bonsoir tout le monde. À bientôt. Nous sommes plus fortes. Appelle-moi le jour et l'année. Appelle-moi le temps qui faisait. Et si j'ai oublié. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi.
si un jour je fuis, moi je suis, rappelle-moi qui je suis, ce que le jour et l'année.